Eh bien salut tout le monde, c'est Selm et aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo Hero Zero. Donc oui, ça fait extrêmement longtemps que je n'avais pas fait de vidéo Hero Zero. Je m'en excuse, je suis vraiment désolé. Oula, petit bug dès le départ, ça fait plaisir. Donc tout simplement, je jouais plus trop à Hero Zero à ce moment-ci, donc je ne faisais pas beaucoup de vidéos dessus tout simplement. Donc j'essaierai de vous en faire plus, pardon, dans les temps à venir. Donc je joue exclusivement sur FR4 en ce moment, parce que j'avais un compte assez avancé et ça, sérieusement, ça me saoule d'être sur d'autres serveurs, tout ça, de gérer plusieurs serveurs à la fois. Je l'ai fait dans le passé, mais franchement, ça a fini par me saouler énormément. Et c'est, je pense, c'est ça aussi qui a fini par me gaver de Hero Zero, c'est que au début, t'évolues plein, enfin, même dans tous les jeux en général, t'évolues beaucoup, t'évolues vite, donc tu te dis ouais, c'est super et tout. Puis après, finalement, t'évolues plus tant que ça, et puis ça devient répétitif. Et c'est peut-être un petit peu le problème de beaucoup de jeux, c'est que c'est répétitif, c'est chiant, c'est long, c'est... Finalement, tu t'amuses pas tant que ça. Donc j'ai choisi pour la FR4 de venir dans une petite équipe, très sympa. Je les aime bien, franchement, ils sont sympas, tout ça. Ça va, on attaque bien, on gagne des donuts, on gagne le tournoi honneur 50 donuts à peu près par semaine. Donc c'est pas trop mal, comme ça on peut évoluer sans vraiment payer. Donc c'est toujours une bonne chose. Et vous auriez sûrement remarqué que ma bannière YouTube a changé. D'ailleurs, grosse dédicace à Phoenix4 qui m'a fait une nouvelle... C'est lui donc qui m'a fait ma nouvelle bannière. Donc je te remercie énormément pour ce que tu as fait, ça fait vraiment super plaisir. Franchement, c'est... Je la trouve très belle en plus, et franchement, je suis pas déçu. Voilà pour ça, tout simplement. Je réponds pas toujours à vos messages, c'est vrai, je suis pas tout le temps sur Hero Zero, je lance des missions de temps en temps et des entraînements, mais c'est vrai que je suis assez peu présent sur le jeu en question. J'essaie tout simplement d'évoluer convenablement. Bien que sur ce serveur, c'est... c'est quand même pas mal puisqu'il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas trop de monde, donc c'est moins pète couille que quand il y a beaucoup de monde, tout ça, où il faut vraiment évoluer comme un taré, tout ça. Sur FR4, il n'y a plus grand monde, donc ça c'est toujours bien. Ça me repose, va-t-on dire. voilà, tout simplement, tout ça pour dire. Ils ont fait pas mal d'améliorations depuis les dernières fois. Même pour les messages, j'avais vu, oui, les messages d'équipe, les messages de Hero Zero. Enfin, ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, c'est vrai. Le principe d'aider tout le monde, ça aussi j'aime bien, plutôt que de cliquer sur tout le monde à chaque fois. Donc même dans le classement je dois pas être hyper élevé, je suis une... ouais, 149ème, bon c'est pas énorme. Hein. En même temps mes capacités elles sont pas hyper élevées. Hein. C'est vrai que bon, 1811 de capacité de base c'est pas énorme. Puis je suis dans une équipe qui n'est pas hyper évoluée au niveau des capacités, qui booste les capacités à 34% quand même. Donc c'est pas mal, mais c'est vrai qu'à 50% j'avais, comment dire, plus de capacités que ça. Mais bon, c'est pas trop grave, j'ai quand même réussi à équilibrer les capacités, donc ça c'est pas mal. Comme ça, j'ai plus de capacités noires, ça c'est pas mal parce que ça me saoulait clairement, toujours voir la même couleur. Donc là, je vais passer un bon bout de temps encore parce que les entraînements, bah, c'est pas énorme. Quand j'aurai du temps, je pense que ça aussi, j'ai trouvé ça très bien, les codes de bons pour les unités d'entraînement et les énergies. Que j'utilise pas beaucoup, hein. J'essaie vraiment de les utiliser quand j'ai du temps, sinon je vais pas les valider pour rien. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette petite vidéo. Si vous voulez une prochaine vidéo Hero Zero, essayez de me donner dans les commentaires des idées pour faire les vidéos, ça serait sympa. Comme ça, la vidéo arrivera plus vite. Je pense déjà avoir une idée de la prochaine vidéo que je ferai. Après je suis pas sûr, donc vous verrez ça dans la prochaine vidéo tout simplement. Mais donnez-moi des idées, franchement
Je regarde les commentaires, je lis vos messages 00, vous inquiétez pas. Les 6 nouveaux messages, bah, c'est mes codes de bon. Histoire de toujours les voir, parce que c'est vrai qu'au fil des messages, ils commencent à partir. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette petite vidéo. Désolé de vous avoir laissé longtemps sans vidéo Hero Zero. J'essaierai d'être plus régulier pendant les grandes vacances. Et de faire des vidéos sur plein d'autres jeux, parce que ça, c'est un truc que j'ai aussi envie de faire, c'est plus de vidéos à vous montrer, histoire de vraiment vous. Et d'autres vidéos que Hero Zero, parce que c'est vrai que souvent je reçois plein de messages, ouais, fais du Hero Zero, tout ça. Ouais, mais vous voyez, Hero Zero, je peux pas vraiment faire beaucoup de vidéos, quoi. Je peux faire des vidéos journalières où je vous dis, ouais, là, j'ai fait, au lieu de 1811, je suis à 1815, ouais, mais. C'est pas franchement les vidéos journalières comme ça me plaît pas forcément parce que j'aurais pas grand chose à dire. Donc si vraiment vous le voulez, je le ferai, mais personnellement j'aimerais bien changer un peu ou tout simplement le reste du contenu que je mets en ligne sur les autres jeux. J'aimerais bien qu'il soit un petit peu plus regardé, parce que c'est vrai que on me regarde souvent pour du Hero Zero et j'aimerais qu'on évite de me raccrocher à ce jeu-là, parce que c'est grâce à ce jeu finalement que j'ai pu me faire, c'est vrai, mais j'ai pu me faire une communauté. Mais après, faut pas être que sur du Hero Zero, tu vois. C'est faut essayer un peu de diversifier et puis que les gens regardent quand même, tu vois. Parce que après, si je fais que sur un jeu, au bout d'un moment, je vais vraiment m'en lasser et c'est ça qui. Et je risque de m'en lasser, franchement, c'est. Il y a vraiment moyen, parce que j'y joue vraiment juste pour augmenter mes capacités, pour. Ouais, pour y jouer un petit peu, quoi. Essayer de. de faire de temps en temps quelques petites choses. Mais pas plus que ça, quoi. C'est vraiment. J'essaie pas forcément. Peut-être je vous ferai des vidéos, je sais pas, parce que pareil. Je voulais vous refaire un concours, mais au moment des achats de donuts, il me demande un cryptogramme visuel, tout ça. Enfin, pas le cryptogramme, mais il me demande un truc pour certifier ma carte bancaire, tout ça. Donc, c'est hyper relou. Il m'envoie rien sur mon téléphone, tout ça, comme ils me le disent là. C'est vraiment chiant. Donc, j'essaierai de trouver un moyen, mais genre faire un. On ouvre, comment dire, des boîtes magiques là pour voir les objets qu'on peut avoir. Ou alors, je vous ferai sans actualisation. Pour voir ce qu'on peut avoir dans les. Je sais pas, franchement je sais pas, j'ai des idées, mais bon, faut que ça se concrétise. Ça se concrétise. Oula, je vais y arriver. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Donc merci beaucoup à tous les abonnés, à tous ceux qui me laissent des pouces bleus. Ça fait hyper plaisir, franchement, je vous kiffe. Et j'espère qu'on se verra vite pour une vidéo Hero Zero. Allez, à plus tout le monde.